Nous sommes le lundi 15 janvier 2024, donc tout d'abord bonne année, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin vraiment ça remonte. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez pu au moins vous reposer, passer du temps avec les gens que vous aimez, ou prendre du temps avec vous-même pour vous ressourcer, enfin je sais pas. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, j'étais sur la fin de mon premier semestre. Aujourd'hui, nous sommes la veille du début de mon deuxième semestre. Aujourd'hui, je travaille, donc quand le semestre est terminé, j'étais un petit peu au bout parce que j'étais fatiguée en fait du rythme, etc. Est-ce qu'à l'heure où je vous parle, j'en suis remise? Non, pas nécessairement, mais c'est pas grave, c'est pour le plot. Je suis assez contente de mon emploi du temps, genre de ce semestre. Et les cours ont l'air un peu intéressants, enfin un peu plus qu'au semestre avant, parce que le semestre avant, je vous cache pas que vraiment c'était pas ouf. Demain, c'est la rentrée. En fait, il y a un côté qui est en moi qui est grave excitée parce que genre j'ai trop envie de découvrir les nouveaux cours, découvrir ma nouvelle classe, tout, mais en même temps genre je suis un peu stressée. Mais sinon je suis contente parce que du coup quand même dans la classe de beaucoup de mes copines. Et par contre il fait tellement froid en ce moment, genre les températures elles sont tombées mais de façon inattendue. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines les gars il faisait genre 10 degrés et là on est genre à moins 2, moins 3, moins 4, enfin c'est une folie. Aujourd'hui j'ai rien prévu, franchement j'ai juste allé travailler de midi à 17h. Par exemple je coque à l'âne, c'est une folie, mais est-ce que j'ai des résolutions pour cette année? En vrai non. Je me dis, compte tenu de l'état actuel de ma vie, prendre des résolutions ce serait me mettre une pression en plus. Je veux dire les études c'est déjà une assez grosse pression comme ça, et la vie, genre les gars j'ai 20 ans dans 4 mois. Et genre je trouve que c'est déjà une assez grosse pression en soi, donc j'ai pas forcément envie de m'en rajouter, enfin je trouve que c'est suffisant, voilà. J'aimerais bien être plus indulgente envers ma propre personne. Est-ce que j'ai mis trop... Je pense que j'ai vraiment mis trop de blush. Je prends pas de résolution, juste je me dis j'essaie de m'améliorer dans ce que j'entreprends et de me donner à fond, tout en essayant de prendre soin de moi, genre de toutes les façons possibles en fait, que ce soit genre physiquement ou émotionnellement. C'est tout ce que je me souhaite pour cette nouvelle année et pour le reste de ma vie en vrai. Personnellement, le concept d'impératif, le fait de m'obliger à faire un truc, ça va juste faire que je serai dégoûtée du truc. Alors que si je fais le truc parce que je le sens, parce que j'ai envie de le faire, genre bah je serai plus constante. Ouais. Bref, je suis hyper confuse, écoutez. Est-ce que j'ai des choses à vous raconter en particulier? Bah en vrai non. Rien n'a changé dans ma vie. Dans ma vie est toujours la même qu'il y a un mois. Mais je vous jure que le fait de me dire que j'ai 20 ans bientôt, ça me... Enfin ça me stresse parce que je me dis j'ai 20 ans bientôt et genre dans 10 ans j'ai 30 ans, mais ma vie pour l'instant genre c'est un petit peu le chaos. J'arrive pas à concevoir genre ce qui va se passer après et comment ma vie va se mettre en ordre. Donc je sais pas. Bon écoutez, c'est la vie et puis on verra bien ce que ça donne. C'est le moment où je vous fais un what in my bag avec ce sac minuscule. Mon porte-monnaie comme d'habitude finalement. De l'aquaphor, ça me sauve la vie. J'en mets sur mes lèvres, j'en mets partout. Il n'y a pas une seule zone de mon corps où je veux pas de l'aquaphor. En briquet parce que c'est toujours pratique. Je ne fume pas. Attention, mais si jamais quelqu'un en a besoin autour de moi, j'ai. Mon combo lèvres. Et après, je prends une petite bouteille d'eau. Et là, je peux y aller. Donc, bonne journée, bisous. Va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu... Bonsoir, du coup il est genre 22h30 je crois. J'ai passé le plus gros de ma journée au travail. Et après, mes parents sont venus récupérer et je suis allée voir mon copain. J'ai passé la soirée avec lui, on a mangé des sushis. Mon père est venu me récupérer et il m'a déposé chez moi et du coup on a discuté, on a passé la soirée ensemble aussi. Donc j'ai passé une plutôt bonne soirée. En vrai j'aurais grave aimé pouvoir profiter de mes derniers jours de vacances. Donc là je suis rentrée il n'y a pas hyper longtemps, genre je suis remontée chez moi vers 22h. J'en prends ma douche, j'ai lavé mes cheveux ce soir parce que je trouve que mes cheveux c'était un peu une cata. Bref, je me suis cognée le tibia au travail genre sur une table et tout. Et du coup j'ai le tibia qui est enfin, bref. Voilà, et c'est un peu mal, je suis sûre que ça va laisser un bleu en plus. Mais après je vais me poser, regarder des vidéos peut-être, une série, je sais pas, peut-être que je vais lire, c'est un peu, j'aimerais bien. Il faut que j'appelle ma copine Nadia et mon copain aussi après. Et voilà.
du coup, j'ai fini de prendre ma douche, de faire ma skincare, de faire tous les trucs, enfin bon, bref. Là, il est genre 11h. Je vais déjà avec mes parents, je pense, ce midi. Et après, j'ai cours à 15h. Il fait moins 5 aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai pas envie de sortir, c'est une folie. En ce moment, je lis Le fait mieux de Fuen Quinoz. L'histoire, c'est un monsieur qui est dans la quarantaine, dans la cinquantaine, je sais pas trop, qui se réveille un matin avec un mal de dos, et son mal de dos il veut pas le diminuer, et du coup genre, en gros il va juste chercher la raison de son mal de dos, enfin c'est un peu la quête de tout le livre. C'est écrit avec beaucoup de légèreté, c'est un peu drôle, et en même temps genre Fuen Quinoz, il y a une façon d'écrire qui fait que à la fois c'est hyper simple à lire, c'est simple à comprendre, il y a vraiment des réflexions dedans genre qui sont hyper profondes quand même. En vrai là je l'utilise pas très bien, mais vraiment je vous jure qu'il est bien le livre. Alors, en d'autres découvertes livres, j'ai découvert Ça va aller promis, ok, hyper genre ludique, enfin je trouve que ça, la façon dont il est agencé avec des images, des trucs, des citations, c'est un format qui est pas embêtant à lire, et je trouve que si vous voulez commencer à lire et que vous savez pas trop genre par quoi commencer, mais en vrai des œuvres comme ça c'est super bien, surtout que je trouve que c'est hyper parlant. Et sinon je pense que j'aimerais trop me remettre au podcast dans les mois qui viennent, semaines qui viennent, parce que genre en vrai je trouvais le format super agréable et j'aime beaucoup faire des podcasts, j'ai trop le commencement de projet facile. Et en fait après c'est genre la constante mon problème, genre c'est le fait de me dire ok je vais le faire continuellement et je vais pas m'arrêter. C'est ignoble ce que je suis en train de faire. We should part ways, no return ticket when the destination heartbreak. Calling me a cheater, but my stick holds rhinos. Got you out my bed, but not out my mind. Oh, I know that you know I'm. I don't think she knows I was serving out. J'ai fait des petites courses rapides en sortant des cours chez le traiteur asiat, donc je vous montre rapidement ce que j'ai pu prendre. J'ai vraiment pris genre 3 plats que du coup je vais mettre dans mon congélateur pour quand j'aurai vraiment trop la flemme de me faire manger, parce que je sais que c'est des choses qui arrivent. Bah, du coup j'ai pris 3 plats comme ça, je les prends en format de 100 grammes. J'ai pris du bœuf à la thaïlandaise, je crois, un truc comme ça, enfin je sais pas trop, je suis pas sûre. J'ai pris du poisson à la sauce piquante. Et j'ai pris du poulet au poivre, enfin la sauce au poivre. Je vais prendre ma douche, me poser et raconter ma journée. Du coup, genre franchement, j'ai passé une assez bonne journée en cours. Ça m'a fait trop fait plaisir de retrouver mes copines, genre vraiment. Mon premier cours, c'était un cours de lettres et la prof, elle est hyper gentille. Après ce premier cours-là, on est allé se promener au hall. En fait, genre à la base, on est allé au hall parce qu'on voulait acheter de la skincare. Enfin, Aya voulait acheter de la skincare et moi, je voulais... voir s'il y avait des compléments alimentaires qui m'intéressaient un petit peu et tout, enfin bon, bref. Donc on arrive au hall et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs parce qu'on est en heure de pointe, genre il était 18h-18h30. Du coup bah on est reparti en cours avec Omega. Du coup c'était un cours de création publicitaire et franchement c'était hyper sympa. En gros notre prof dans ce cours là c'est le directeur d'une école de graphisme. Son discours est super apaisant et super encourageant. Je suis un peu fatiguée. Là ce soir j'ai je crois genre quelques lectures à faire pour mon cours de lettres. Et je crois que j'avais pas un devoir mais ouais genre une recherche à faire. Et à moins que je la fasse maintenant comme ça c'est fait. Je pense que je vais me faire une tisane et dormir. Voilà. Coucou, il est actuellement 10h23, on est mercredi et j'ai pas cours avant midi, mais je m'étais dit que j'allais me préparer genre un petit peu tôt parce que j'ai envie de sortir prendre un café tout seul avant d'aller en cours.
je pensais passer aux good news de Madeleine. Je maquille très légèrement aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme de maquiller des masques. Je vais vous faire un petit topo. Après, je suis dans une période où je doute beaucoup de ce que je vais faire de ma vie, de comment j'envisage mon avenir, etc., etc. Et je me dis en plus, genre, là je suis en L2, l'année prochaine je suis en L3, et après, en fait, ma vie elle se précise de ouf. Mais moi, je sais pas trop ce que je vais faire, vous voyez. Et donc voilà, et en même temps, c'est genre, t'as la peur de pas être assez, de pas être assez intelligent, de pas avoir assez de capacité, de pas avoir assez d'expérience et tout. Et du coup, bah, on est un petit peu stressant. En vrai, je pense que ça fait partie du cheminement, genre, peut-être à l'âge que j'ai, ou en tout cas, au stade où je suis dans mes études, ou je sais pas, genre, de se remettre en question et de pas savoir où tu vas, et de juste faire les choses, et de pas savoir si tu fais les choses par vraie conviction, ou parce que c'est ce qu'on attend de toi, enfin bref, je sais pas. Déjà, je me dis, dans la vie, finira par bien se passer, tout est fait pour me mener là où je dois être. Du coup, c'est un peu rassurant de me dire que peu importe ce que je fais, en vrai, c'est le bon choix. Que le stress ou pas, genre à la fin du mois d'avril, j'ai fini ma deuxième année de licence, vous voyez. Donc autant je pense qu'il y a du bon stress, parce que ta vie, il y a des fois où ton stress te pousse à te dépasser. Il y a des fois, genre, quand tu peux rien faire pour arranger la situation, si t'as rien stressé, tu vas stresser et après, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon. Donc du temps, comme j'ai pas mal de demi-journées libres, je me dis déjà ça me permettra de me repousser, donc ça veut dire que je peux faire des grasse maths, etc. Si jamais je veux pas faire de grasse maths, et ben je vais pouvoir genre sortir, faire des trucs toute seule. Du coup, c'est bon, je suis enfin prête. Je vais quitter, aller prendre mon café et puis aller en cours. Bisous! Je peux plus attendre longtemps, car d'où je viens, l'avenir ne présage rien de bon. Jamais derrière, toujours devant, et pas qu'en observant. J'ai toujours assumé mes galères, car y'a trop de fierté en moi. Je sais que le succès m'attend, ouais. Il me dit d'être prêt, car je suis le suivant. Faut que je reste focus, pas instable. J'ai vu trahison beaucoup trop de fois. Bon, guys, il est 20h30. Je suis rentrée il y a 30 minutes. J'ai pris ma douche. J'ai appelé mon copain rapidement. Et je pense que je vais regarder Un mariage en 24 heures de Océane. Je vais manger du houmous avec une baguette. Enfin, genre, j'avais trop envie de manger ça. Avec peut-être des concombres. Du coup, genre, en gros, j'ai eu mon premier cours de la journée. C'était un CM. C'était un CM de sociologie. Et en vrai, genre, c'était tellement ennuyeux. Enfin, c'était hyper long pour rien au final. Que voilà, c'était l'intro. Il n'y avait pas beaucoup de substance, on va dire. On a fini cours à 13h30, on a déjeuné. Et après, du coup, avec elle, on est passé à City Pharma, rue du Four. À la base, moi, je cherchais de l'ashwagandha pour aider pour le sommeil. Donc, à la place, j'ai pris un truc que je vais vous montrer. Du coup, j'ai pris les gouttes Rescue Nuit. Du coup, après, on est retourné à la fac, parce que du coup, on avait notre dernier cours de la soirée, de la journée, bref, qui commence à 17h. C'est un cours d'introduction à la communication politique. Et en gros, pareil, deux très longues heures. Du coup, voilà. Et ce soir, j'ai trop hâte de manger mon houmous là, genre ça me donne trop envie. Bonjour. J'ai dormi comme un bébé. Enfin, j'ai mis du temps à m'en dormir, genre je me suis endormie vers minuit quand même. Mais j'ai trop bien dormi. Ce matin, à la base, je devais avoir cours à 8h du mat, mais apparemment... Il y a eu un impondérable, ils aiment trop appeler ça comme ça. C'est vrai qu'au lieu de prendre à 8h, je prends à 14h. Je pense que je vais me préparer tout doucement. Donc j'ai commencé par me faire un matcha pour me réveiller un petit peu. Parce que genre là je suis éclatée. En plus je suis desséchée parce que en gros genre au-dessus de mon chauffage, je mets un verre d'eau pour garder l'air humide, enfin pas assécher l'air quoi. Et apparemment dans la nuit c'est vidé. Voilà, super.
Donc je me suis chauffée pour refaire mes ongles. Enfin, j'ai arraché tout mon blanc là tout à l'heure et je m'étais dit que j'allais en profiter pour discuter avec vous parce que bah je sais pas, genre il y a des trucs à raconter, j'imagine. Je vous avais parlé du fait que en ce moment j'étais un peu stressée. J'avais le sentiment que que ma vie n'allait pas plus avancer que ça, genre qu'elle devrait l'être davantage. Et en vrai, de vrai, j'ai parlé avec mes copines et Zoé m'a dit un truc. Enfin, on a l'impression qu'on est hyper loin pour l'instant et que genre on va pas réussir à réaliser tout ce qu'on doit réaliser dans ce laps de temps-là. Mais en vrai, de vrai, genre si je regarde tout ce qui s'est passé toi entre tes 10 ans et maintenant, ou même genre toute ta vie, bah tu dis qu'en vrai 10 ans genre t'as grave la place pour faire plein de choses genre. J'ai l'impression que j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire et que machin. En fait j'ai grave le temps et c'est juste que je me rends pas compte de tout ce que j'ai accompli parce que je l'accomplis justement, genre c'est ce que je veux dire. Et sur ce monde, les gars, je m'inquiète tellement de mon avenir, genre. Sachez que hier, dans mon cours de communication politique, faisant l'appel, le prof, genre à chaque fois que, en gros, tu disais que t'étais présent, il te demandait, ouais, du coup, vous voulez faire quoi plus tard de votre vie? Genre, enfin, c'est quoi votre métier envisagé? Et j'étais vraiment en mode, je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question, vous voyez, j'ai toujours été un peu en mode, bah en vrai, là, ça me plaît, donc je vais faire. Mais là, ça devient réel, ça devient très concret. Je sais pas trop ce que je veux faire. Après, je me dis que personne ne sait vraiment ce qu'il fait dans la vie. Maintenant, à mon échelle, j'ai l'impression que c'est le chaos. Mais si je dézoome sur l'échelle de ma vie, bah c'est juste, je pense, l'étape qui mène à l'étape suivante. Genre, c'est la transition. Ça, ça me fait penser à une lecture que j'ai faite l'année dernière. C'est prendre la tangente de Céline Curiel. En gros, c'est un échange entre l'écrivaine et un étudiant qui lui a envoyé un message et qui disait qu'en gros, il était perdu, qu'il savait pas et tout. Genre là, j'ai exposé plein de problèmes et j'ai pas trouvé de solution. Si ce n'est que j'ai envie d'avoir foi pour le fait que ça va aller et que genre, c'est le chaos, mais... Ça va aller quoi? Ça ferait un bon titre de podcast ça, genre c'est le chaos mais ça va aller. Donc je vais couper parce que sinon on va pas attendre que je finisse, donc ça va prendre beaucoup trop de temps. Le charme de la misère, le chant de la hesse. Encore un zombie qui monte dans la caisse. Mon frérot, je te bip quand je suis devant l'adresse. Faut se donner. Du coup, la journée est terminée. Franchement, c'était assez cool. Enfin, ça va. Bref, j'avais un cours de sémiotique. Franchement, il était assez sympa. Le prof, il était vraiment trop mignon. Et souvent, c'était notre UE pro. Et du coup, c'était mener une enquête. En gros, du coup, on a dû former les groupes et choisir quel jour on voulait passer pour un des oraux. Enfin, tout ça pour dire que j'ai beaucoup trop d'oraux à préparer pour ce semestre. J'ai beaucoup trop de trucs à rendre, beaucoup trop de... Voilà. À chaque début de semaine, ça me fait ça. Genre, j'ai un instant de panique quand je vois tout ce que j'ai à faire et tout l'argent de travail que je dois fournir. Mais bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. J'ai arrêté le vlog ici parce que, enfin, vous avez pu voir que déjà, il s'est rien passé de vraiment super intéressant. C'était juste moi qui allais en cours. Donc, c'était vraiment pas super... fun, mais en vrai c'est aussi ça. J'ai des semaines où c'est super fun, où j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs à vous montrer et tout, et j'ai d'autres semaines où vraiment c'est le calme plat, genre cette semaine en l'occurrence c'était vraiment ça, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. J'espère quand même que ça a été assez agréable à regarder pour vous et que vous avez passé un bon moment, même si vraiment enfin c'était pas giga intéressant. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous.